Bonjour, on se retrouve donc pour la troisième partie de notre bonnet béguin. Donc, j'ai terminé de tricoter mes mailles au niveau de la nuque. J'ai rabattu mes mailles donc souplement et j'ai fait la tache donc de ce côté-là. Et je vais vous montrer donc comment le faire de ce côté-là parce qu'il nous en faut deux. Alors, vous pouvez vous aider donc d'un crochet. Là, c'est plus facile de s'aider d'un crochet. Nous allons relever 5 mailles ici. Regardez. Là, c'est le devant de notre bonnet. Et nous allons relever 5 mailles ici. Comme ça, regardez, de façon à ce qu'on puisse attacher. Donc là, vous avez le devant et on va relever nos 5 mailles. Ici à l'aide de notre crochet. Une. Moi, je les laisse pour l'instant sur le crochet, je vais vous montrer. Deux. Donc là, c'est facile, regardez, vous piquez dans les mailles en dessous. Trois. 4 et piquer au bout, voilà, voilà. 1, 3, 4, 5. Donc j'ai relevé 5 mailles. Je les enlève de mon aiguille et je les passe de mon crochet, pardon, je les passe sur mon aiguille et je vais tricoter pendant une dizaine de centimètres aux côtes 1-1. Donc une en bas, une envers. Une en droit, une à l'envers et une envers. Une en droit. Donc pendant 10 cm, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc aux côtes 1-1, envers en droit. Donc vous, si vous voulez, vous pouvez coudre du satin, des rubans en satin, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire les attaches que vous voulez. Donc vous faites comme vous avez envie de faire. Moi, je vous montre au tricot, vous pouvez faire d'autres méthodes, faire des cordons, faire en satin, faire au crochet. Alors, c'est comme vous le souhaitez. Donc, je vais continuer à tricoter ainsi pendant à peu près 10 cm. Vous avez vu, c'est très très facile. Bon, c'est vrai qu'il se fait en plusieurs étapes.
Mais dans l'ensemble, c'est très facile, il n'y a pas de, c'est pas compliqué. Et c'est très très mignon. Alors, on va mesurer encore un petit peu pour que ça soit pareil. Donc moi j'ai fait une dizaine de centimètres, vous pouvez faire plus si vous voulez attacher et faire un joli petit nœud, donc vous pouvez faire un peu plus. Moi j'ai mis 10 centimètres à peu près. Alors, j'espère que mes tutos vous plaisent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer, à faire des commentaires, à partager éventuellement. Ça me motivera comme ça pour faire d'autres projets, d'autres tutos. Alors, je remesure pour voir. Parfait. Donc, je vais rabattre mes mailles. Ne tirez pas, rabattez souplement. Pas trop lâche non plus. Pas trop serré non plus. Donc,
souplement. Oups. Où est ma maille? Et je vais passer à l'intérieur et je tire, donc voilà. Maintenant, il faut rentrer les fils. Il faut rentrer les fils comme ceci. Donc vous les faites passer. Pardon. J'espère que vous voyez. Donc je prends mon fil et je fais passer comme ça entre mes mailles. Et je vais, donc je tire un petit peu et je coupe. Comme ça, voilà, à l'intérieur. Donc moi, j'ai rentré les fils de ce côté-là. Et on va rentrer ce fil. Donc vous, si vous voulez, vous pouvez vous aider d'une aiguille à laine. Moi, je fais ça avec mon crochet. Voilà, vous les faites passer. Comme vous pouvez, ici il ne veut pas passer. Et on peut passer. Et je tire et je coupe. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que ça c'est clair, que vous avez bien, que vous avez compris. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, donc des bonnets très simples, très pratiques pour les petits bébés. Là, voilà, très facile à faire, vous avez vu. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.